OK. On va regarder cette question-là. Quelle est la différence entre les deux périmètres de ces rectangles? Donc, le périmètre, c'est additionner tout le contour. OK? Donc, on va regarder c'est quoi le périmètre du premier triangle, premier rectangle, pardon. Premier rectangle, c'est 6x moins 2 plus 2x plus 1. Tout ça, je multiplie par 2. Donc, deux fois ça. Okay? Donc, au lieu d'utiliser le x comme multiplication, là, je vais utiliser un point. C'est qu'est-ce qu'on va besoin d'être habitué à ça à cause que la variable x, ça a l'air une multiplication. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on change multiplication en un point. Donc, on va faire ça parce que périmètre, c'est additionner tous les côtés ou additionner base plus hauteur et multiplie par 2. Donc, ça serait pareil. Donc, première chose. À l'intérieur, les termes semblables, ils vont additionner ensemble. Donc, 6x plus 2x, ça donne 8x moins 2 plus 1. OK? Donc, ça, c'est les termes semblables. Et celle-là, avec ça. Moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Donc, 2 fois 8x moins 1, là, il faut qu'on distribue. OK? Si je ne mets pas le point parce que c'est multiplication, ça c'est sous-entendu, là, mais sur un acteur, normalement, on met un point. Donc, 2 fois 8x, puis 2 fois moins 1. Donc, une fois distribué, ça donne 16x moins 2. Donc, ça c'est pour le premier rectangle. Deuxième rectangle. Là, j'ai. Je pense que j'ai. J'ai manqué la partie en bas. C'est 2 fois 6x moins 1, là. Okay, donc, ça, c'est la mesure en bas. Donc, on va avoir 3, donc 2 fois encore là. 2 fois parce que c'est base hauteur. Et la formule du périmètre, c'est 2 fois base plus hauteur. Okay, c'est comme ça. Donc, la base, c'est. On peut utiliser 2x en premier, là, comme ça suit. Mes formules. Donc, j'ai 2 fois 6x moins 1 plus 3 fois 2x plus 2. Comme ça termine avec l'autre parenthèse. Ça, c'est le périmètre, hein? Et puis, on va travailler sur la distributivité à l'intérieur en premier. OK? Donc, ça va me donner 12x, pardon, 12x moins 2. Plus 6x plus 6. Okay. À l'intérieur, il y a des termes semblables. Donc, j'ai ça et ça. Donc, on va réduire ça en premier. 12x, pardon, 12x plus 6x, ça donne 18x. Moins 2 plus 6, ça donne plus 4. Et puis, on distribue le 2 pour arriver à. Ça, c'est. 18 fois 2, ça donne 36x plus 8. Okay. Là, je vois que vous avez déjà trouvé le périmètre à l'intérieur. Okay. La personne qui a trouvé ici. Donc, on a déjà le périmètre. Donc, c'est ça, les deux périmètres. Quelle est la différence? Là, on va faire ça à côté. La différence. Okay. Donc, si on regarde ça, là, ça a l'air que 36x plus 8 est plus grand. Donc, on va faire 36x, le deuxième rectangle, moins le premier rectangle. Okay? Donc, 36x moins 8, plus 8, pardon, 36x plus 8 moins. Okay? Moi, j'aime mettre les parenthèses parce que ça va changer les signes à l'intérieur. Okay? Ça donne ça. Et ça va me donner 36x plus 8 moins 16x plus 2 parce que j'ai besoin de distribuer le moins pour tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Et encore là, j'ai des termes semblables. J'ai 36 et 16 ici. Ça, ce sont des termes semblables. Le plus 8 et plus 2, ce sont des termes semblables. 36x moins 16x, ça donne 20x. Plus 8 plus 2, ça donne plus 10. Et. Voilà, ça c'est la différence des deux périmètres de ces deux rectangles. Et ça c'est la réponse finale.
Là, on va essayer de faire l'autre. L'autre ici en bas, là, juste pour être sûr que vous voyez, là, en bas, c'est 9x plus 21. Ici, c'est 5x moins 2. Ici, en haut, c'est 3x. Ici, c'est x plus 6. Donc, ça, c'est 45 mètres et 8 mètres. Si je comprends bien. Donc, le but ici, c'est de trouver, parce que ça coûte, on veut clôturer cette rectangle-là. Et il y a la partie en pointillé. Ça coûte 120$ le mètre. Et la partie pleine, ça coûte 45$ le mètre. Okay? Donc, on va additionner tout pour arriver au total, OK, le coût total. Donc, premièrement, je vais additionner tout ce qui est en mauve, OK, PVC. Là, c'est quoi la longueur de ça? OK, la longueur, là, je vais additionner 3x plus 5x moins 2 plus 9x plus 21 et puis plus x plus 6. Et ça, c'est le total de la distance. On sait que x, OK, c'est égal à 4. Okay? C'est dit dans la question. Là, si x égale à 4, c'est quoi le coût total? On va calculer x à la fin parce qu'on va pratiquer à mettre des termes semblables ensemble. Premièrement, 3x, 5x, 9x et x, tout ça, ce sont des termes semblables. 3x plus 5x, 8, 8 plus 9, 17x plus 1x, 18x. Et puis, en orange, moins 2 plus 21 plus 6. Donc, plus 27 moins 2, ça donne plus 25. Donc, plus 25. Là, j'ai en PVC une expression algébrique. Après ça, chez l'autre, ce qui est en Z. OK, en Z, j'ai ici, j'ai 45 mètres et 8 mètres. Ah, OK, ça me donne déjà les mesures. Donc, 45 plus 8, ça donne 53 mètres. Mais tout ça, c'est en mètres. Hein? Même si c'est 18x plus 25, c'est en mètres. Là, après ça, on va calculer le coût. OK. Coût de PVC. Donc, 18, je remplace x par 4 plus 25. Ça donne quoi? 18 fois 4, ça donne 8 fois 4, ça donne 32. 32 plus 40, 72. 72 plus 25, ça va me donner 97. Donc, 97 mètres. Et PVC, ça coûte 45$ le mètre. OK? 45$ par mètre multiplié par 97 mètres pour arriver à la réponse. Donc, ça, je vais prendre la calculatrice, là. Juste pour être sûr. Donc, ça donne 4365$. 4365$. Et puis, le coût, là, ça ne me tente pas de passer sur une autre page. Fait que je vais faire ça à côté, là. Le coût de 7. Donc, chez 53 mètres, multiplié par 120$ par mètre. OK? Donc, encore là, je vais calculer avec calculatrice. 6360$. Et puis, on veut chercher le coût total. OK? Coût total, on va mettre ça avec jaune. OK? Coût total. Ça serait 4365$ plus 6360$. Et ça va me donner 10 725$. Donc, 10 725$. C'est sûr que ici, là, ça c'est la réponse finale, là. C'est sûr ici, j'ai pas vraiment marqué trop en détail parce que quand on résolut une situation, un problème, on a besoin de marquer un titre au complet. Et puis, la réponse finale, on est supposé marquer ça en une seule phrase, comme le coût total de cette clôture
sachant que x égale 4 sera 10 725 $. En fait, une phrase complète. Okay? Ici, c'est juste pour résoudre les deux problèmes, comment on utilise Algèbre pour trouver la réponse.